Le marché parisien reste bien orienté à la mi-séance avec un CAC 40 qui avance de plus de 1%. Et c'est du vert pour ST Micro Electronics, le titre qui a été secoué par la menace de Donald Trump de surtaxer les importations chinoises aux États-Unis. Eh bien, il profite de la calmie dans les discussions. Même scénario pour ArcelorMittal. Les valeurs financières aussi sont bien orientées ce midi. Et puis, du côté des baisses, Neopost perd 4%. Le groupe anticipe pour cette année une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires en raison d'un recul de ses activités lié au courrier, ainsi qu'un probable tassement de sa marge opérationnelle courante. L'effet Amazon dope le titre Casino et sa maison mère Rally ce midi. La filiale Monoprix a annoncé hier un partenariat commercial avec le géant américain qui distribuera les produits de l'enseigne via son service Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue. Ce mouvement est le dernier d'une série de mutations dans la distribution alimentaire française en général et parisienne en particulier. Face à l'offensive de Leclerc dans la capitale, eh bien Casino et Carrefour ont adopté chacun à leur façon une stratégie conquérante pour préserver ce qui était une sorte de chasse gardée jusque-là. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.